87 de notre finale. Attention, Nikiforov, le dernier Allemand à passer à la barre fixe. Donc normalement le meilleur à cet agrès. D'origine russe. Premier lâché, Kachov. Deuxième. Troisième. Troisième. Et il nous va. Ah, et ah. Non, il voulait faire le quatrième. Mais il était un tout petit peu loin de la barre. Et il l'aurait manqué probablement. Il a bien senti ça. On en a vu un beau, hein. On vous le réserve pour tout à l'heure. Oh là. Jolie sortie. Il s'est fait mal au genou, hein. Je peux vous dire. On va le voir à la réception. Ouais. Il s'est accroché, Nikiforov. Jan Peter Nikiforov. Qui termine cette protection. Ah oui, oui. Ah, il a mis le paquet, hein. Et l'Allemagne jubile. Pour combien de temps? Encore 20 minutes. Avant de connaître le titre mondial de ce championnat à Dortmund. Avec un Nikiforov exceptionnel dans ses lâchers de barre, Michel Boutard. Et triple catch-off. Triple catch-off, un jambes écartées, un jambes serrées. Et voici l'autre, le dernier. Voilà, jambes écartées. Alors il reprend un tout petit peu loin de la barre. Ici on le voit, ce qui l'empêche d'en faire un quatrième, ce qu'il aurait voulu. Mais ce n'est absolument pas une faute, puisqu'il continue son exercice normalement. Alors regardez, ah, il rattrape bien une fois. Rattrape bien deux fois. Et c'est là à la troisième que ça se complique. Mais on ne la verra pas. Parce que le ralenti durant le temps qu'il faut. Par contre, là, on va peut-être revoir la sortie avec... voilà, la double vrille. Double vrille, très haut, très haut, très haut. Et la réception, oh, le genou droit, sur le genou droit. Et il grimace Hans-Peter Nikiforov qui va obtenir quand même une belle note, je pense. Absolument, 9-612. Ah oui,